5. Ça va. 6 ah, bidé, bidé, bidé. Non, non, 6. Non, non, non. 6, non, c'est faux. Bon, je vais les jouer, je vais les jouer. Non, 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 on ne joue pas. Jouer. Et 6 et 3. Tu aimes trop voler. En fait, bidé. Pourquoi tu voles comme ça? Hein? Bidé. Tu es un menteur. C'est pourquoi ta joue n'est pas fait politique. Padre, padre, il sont vigilants. Il est vigilant, André, des politiciens. Yo. Tiens, 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 Soumane, pour le coronel. 6. Voilà lui. T'as tourné, t'as tourné. Non. Tiens, 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 Soumane, pour le coronel. 5. Je vous gagne comme hier, là. Je vous gagne comme hier. Déjà, j'ai 2-1. Ayo, pourquoi yo. T'as mis un coup à droite, tout dit. Appuyez. Quand il compte. Mais vous avez vu le journal d'aujourd'hui? Non. Le journal. Ouais. Mais il y a des décisions, hein? Quelles décisions? Le gouvernement a pris des décisions. Décisions contre qui? Jou. Décisions contre qui? Contre les deux autres. Attends, ça, tu es pressé pourquoi? Dozo. Les Dozo. Mais les Dozo viennent chercher quoi ici? On dit les Dozo n'ont qu'à rentrer dans leur caserne. Ils n'ont rien quand? Mon frère. Ils vont lui demander. C'est lui le politicien. C'est lui. Il faisait campagne ici, du maire. Grébaillot, Grébaillot. Grébaillot, Grébaillot. Grébaillot, Grébaillot. Grébaillot. Votez, Grébaillot. Votez, Grébaillot. Votez, Grébaillot. Il a poster là comme ça en haut. Il a su sur quand? J'ai fait. On dirait c'est lui-même Grébaillot. J'ai fait aussi. Voilà, Grébaillot à Grébaillot lui. Il vient s'asseoir ici. J'ai fait. Moi, c'est que je vais te dire. Les hommes politiques, ils sont ingrats, voilà. Méchants et criminels. J'ai dit, voilà. Moi, c'est mon ami personnel, Grébaillot, c'est mon ami personnel. J'ai dit, il m'a dit, faut battre ma campagne. Quand je serai élu, tu seras mon adjoint, premier adjoint, deuxième adjoint. J'ai dit, moi aussi, je suis allé au charbon comme ça. Ouais. Même pas. Faut Grébaillot, tout, j'ai dit, j'étais devant. Tu n'es même pas 40e adjoint. Oh. Et aujourd'hui, il est maire, non? Aujourd'hui, il est maire. Il m'a oublié. Les hommes politiques sont comme ça. Ah. Les hommes politiques sont comme ça. Il t'a trompé net. Un politicien ne doit pas aller à l'église, ni à la mosquée. Parce que ce sont les pécheurs. Chaque jour que Dieu fait, ils pêchent. Ce sont des vrais menteurs. Non, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il faut les prendre aussi comme ça. C'est vrai. Quand ils veulent être maire là, ou bien ils veulent avoir une place là, ou un pouvoir là. Ouais. Ils viennent chez toi. C'est ça. Ils viennent te caresser, t'embrasser. Yes. André, non, mais là, en train de courtiser une jeune fille. Voilà, tu vois. Une fois qu'il est élu, tu vas chez lui, le maire est en communication avec le ministre. Le maire doit recevoir les chefs notables. Le maire doit faire ceci. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Tu es bête. Non. Tu es bête. Tu dois reconnaître que tu es bête. Ouais, on n'a qu'à jouer à faire des politiques, on n'a qu'à les élus. Ils sont tous pareils. Je vous gagne comme hier. Non, mais politique. Il y a un peu de temps. 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 Non, il ne faut pas casser le cadre. 6. 5. 1, 2, 3. 6. 2. Mais pourquoi tu aimes voler comme ça? Mais vous les regardez un peu ailleurs. 2. Oh, vous êtes tous les 7. Non, 3. Pétele, à Baraki. 4. Il vaut mieux de chercher des. Pétele, yo. 3-6. 3-6. Ouais. C'est datif. Tu vas nous tuer. Pétele, yo. 4-6. Ça, c'est bonus. C'est bonus. C'est ça, on appelle bonus. Ah. 4-6. 4. Attends d'abord, je sorte et j'ai mes pions qui sont en prison là. Je fais sortir. Grand frère! Non, je suis trop content! Salut! Non, quand je te vois comme ça, vraiment, je suis trop content. On va. Va, ça va pas! Ça va comme toi aussi. Non, Dieu sait vraiment faire les choses. Ouais, et ça va pas! Depuis le matin, je n'ai même pas encore maillé. Encore, c'est comment? Non, il n'y a rien dedans. Il y a pas un togo, quoi, 100 francs. Ouais, toi aussi. Eh non, grand, t'es trop bon! Je vois. Tu es trop bon, la vérité quoi. Mais Dieu va t'aider. Bah, Dieu va t'aider. Lutter, hein, faut lutter, faut pas rester là toujours. Non, je lutte. Non. Oh, merci beaucoup. Ah ouais. Ah. J'étais trop plongé dans mon journal, mon cher. Oui. Tu es chez toi quand même. Tu es là-dessus. Ouais. On dit quoi? Ah, mon frère. Ça va?
Ouais, j'ai juste là comme ça. T'as pas bougé aujourd'hui? Non, j'ai pas bougé. J'ai seulement placé quelques marchandises. Ah bon, c'est demain, il doit aller encaisser quoi. Ouais. Hé, hey, c'est natif. Yo, ça l'homme va... fort. Ouais, ça on va pas, hein, ça va pas. Ça va pas. Mais ce n'est pas pas. Yo, je suis fatigué. J'ai faim. Hein? Mais, tu es malvenu. Hein? Je viens de manger mon garba tout de suite là. Un bon garba, je vais donner le reste à... Aïe, aïe, aïe. J'ai donné même le reste aux enfants. J'ai loupé le produit. Oh non, on va rattraper ça. On va rattraper ça après. Bon, d'accord, ce n'est que partie remise. Ouais. On va y revenir. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça, on ça, va tourner, on va. Oui. Ah, c'est là tout, mais je t'ai dit que ça va pas, je t'assure. Ça va pas. Affaire de boulot là. Affaire de boulot là. Ah. Mes chaussures sont finies même. Ouais. Ça va pas. Aidez-moi, sinon. Hein? Il faut dispatcher tes demandes d'emploi là, dans toutes les sociétés. Oh, je dis, on n'apprend pas la grimace au vieux singe. Je suis le vieux singe des demandes, moi. J'ai trop déposé de demandes dans toute la société, j'ai tout fait. Ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas, go. Attends. Je dis, ça va pas. Attends. Aidez-moi. Attends. Ton voisin, vieux Sriki. Il est là-bas. Oui, je sais, mais il t'a rien dit. Non. On était au damier hier nuit. Il t'a dit quoi encore? Il dit que leur directeur financier est gravement malade. Hein? Dans leur société là? Dans leur société là. Monsieur, c'est une grande société. C'est une grande société. Ça fabrique chaussures, du lait, tout. En attendant, profite, il faut lui donner ta demande. Tu sais, c'est un gars, il a les atouts de le grand directeur même. Mais c'est une grande société. Tu sais, il a pris sa retraite, on ne veut pas le libérer encore. Oh. Tellement le directeur l'aime. Donc, de lui remettre une tu lui remets. Au vieux. Voilà. On ne sait jamais, hein. Je vais le faire. Il est gravement malade. Je vais le faire. Bon, voilà. C'est natif. On dit que l'union fait la force. Ouais. Tu vois, non? Tu vas prier de ton côté. Moi aussi, je vais prier. Hein? On va réunir les prières pour qu'il meure vite. Hein? S'il meurt vite, moi je peux profiter. Là, on dit que le comment tu veux que je prie pour que quelqu'un meure? Ouais, mais... on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. En tout cas, quelque part, tu as raison. Voilà. Bon, ce qui est sûr, tu fais ta demande. Voilà. Donc, tu avec les photocopies de tes diplômes là. Tu sais, je remets au vieux, non? Voilà. Comme toi, tu es côté comptabilité là. Voilà. Tes papiers la dernière fois. Voilà. D'accord. Donc. Bon. Tu lui donnes. Je vais partir. On ne sait jamais. Ouais, Et puis vieux Sriki, je te dis une seule chose. Hein. Il est beaucoup aimé par le grand directeur même là-bas. Ah bon? Oui. Par le grand directeur. C'est qu'il peut faire tu sais, c'est une grande société. Ça fabrique chaussures. C'est une grande société, hein, je oui. crois. Ah bon. Bon, d'accord, je vais il partir. Beaucoup aimé. Même il a pris sa retraite. Il a même pris sa retraite. Hein. Et mais puis il est encore là-bas là. On ne veut pas le libérer parce qu'il est tellement gentil. Tu lui dis d'abord. Ouais. Donc, Maria, il est parti, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas encore? Transport. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Tu veux combien? Hein? Tu veux combien? 200. Toi, c'est cool. 200 français. Eh, hey, c'est natif. Après 200, là, je ne sais pas ce que tu vas manger, hein, mais voilà 500 francs. Oh non, non, c'est trop. Eh, hey, 500? Non, pas, c'est natif, pas faire ça. Tu prends la chose. Faut pas faire comme si tu ne veux pas. Tiens. Ah, d'accord. Eh, c'est natif. Eh, non, tu merci. Tu n'as pas mangé. Ouais, moi, j'ai mangé. Tu vas mettre transport là, 200 francs là, non, c'est fini. Laisse. Hein? Voilà. Alors que peut-être madame a la raison. Merci beaucoup. Hein. Ouais, non. Oh, non, tu es trop grave. Bon. Hein? Tu es trop bon. Non, il faut réussir, c'est tout. Ah, c'est la tu es trop bon. Pardon. Fais doucement. Oh. Pardon. Oh. J'ai dit, mais Go, tous ces cheveux blancs là, c'est quoi ça? Tu es en train de vieillir. Non, je ne vieillis pas. Rectificatif. Oh. Je ne vieillis pas. Ça, je suis né avec mes cheveux blancs. Donc, si tu ne veux pas enlever, il faut laisser. Tu es né où ça avait cheveux blancs là. Hein? À 18 ans, tu avais ces cheveux blancs là dans ta tête. Tu as dit 18 ans. J'ai mis parfum dedans. Oh. Voilà. C'est parfum. C'est fini. Aïe. Oh, mon ventre. Hein? Oh, mon ventre. Mon ventre, tu es fait comme ça. C'est vrai. J'ai faim. Oh, ça ne va plus de. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé? Ça va aller, laisse. Dieu est grand. Dieu ne laisse jamais mourir les oiseaux du ciel.
C'est pas nous, il va laisser mourir. Dieu nous connaît. Adonta, tu sais pas. Tu es sûr qu'il ne nous a pas oubliés. Oh non, Dieu ne peut pas nous oublier. Dieu nous connaît. Il pense même plus à nous. Papa, Dieu nous connaît. Jenny. Il doit être quelle heure maintenant? Toi-même, tu sais que je n'ai pas de montre. Attends, il va le dire. Le soleil est au zénith, hein? Go. Ça, là, c'est pas midi. Il dit midi, là. Regarde le soleil. Mais, regarde midi. Midi pile. Jenny. Tu as vu comment le soleil... Le soleil est au zénith, là. Bon, on va faire comme d'habitude. Hein? D'accord. Toi, il faut aller te promener chez le vieux Sirigui. Moi, je vais aller rendre une visite de courtoisie à Sédatif. Hein? Tu sais, chez le vieux, là, on prépare Plakali aujourd'hui. Hein? Ce que tu aimes, là. Hé, Plakali, ouais. C'est vrai ce que tu dis, là. Plakali. Le plaxon. C'est ça, on prépare là-bas aujourd'hui. Hier, là, ici, j'allais chez Sédatif. De toute façon, ses enfants m'ont insulté. Non, laisse ça. Ce qui est sûr, là, il faut manger seulement. Oh, ça, hé, quand tu n'en as pas, là, tu n'as pas honte de tout ça, là. Hein? Là-bas, là, vous avez mangé à quelle heure? Hier. Hier, chez Sédatif, là. Oh, on a mangé à midi 30. Midi quoi? Midi 30. Midi 30? Oui. Mais il est... Dan, il faut faire vite. Prends tes chaussures en partie. D'accord. Tu sais, oh, ce qu'on mange aujourd'hui là, c'est pour deux jours. Deux donc, jours. Voilà, donc quand tu manges, il faut faire une réserve dans ton ventre. D'accord. Tu fais une réserve dans ton ventre pour deux jours. Fais vite, allons, allons, allons vite. Ah, d'accord. Laisse ça, plie ça comme ça. Où sont mes chaussures? Ta chaussure, vas-y, ça, regarde là-bas. Alors, alors. Viens, viens, viens. Pour la commande, c'est pas grave. Vous pouvez renouveler, puisqu'il y a tout juste une minute seulement. Une minute, s'il vous plaît. Oui, entrez. Entrez, monsieur. Bon, je vous rappelle où va le service commande pour qu'il puisse vous situer. Ce n'est qu'une rupture momentanée. Ok, merci, à bientôt. Mon vieux Siriki. Bonjour, directeur. Comment allez-vous? Ça va, monsieur. Prenez place. Merci. Alors, quelles sont les nouvelles? Il n'y a rien de grave, directeur. Ah, bon. Directeur, je suis venu vous voir ce matin. Ah. Vraiment, j'ai un ami qui est avec moi, un jeune frère. Il est très gentil avec moi au quartier. Il est encore au meilleur voisin. Ah, bon. Très gentil. Ce jeune homme... Depuis son étude, il a tous les diplômes de comptabilité, mais il ne trouve pas du travail. Je me suis dit, je vais venir voir mon directeur. S'il y a des places, vous pouvez l'en avoir. Il est très gentil pour moi dans le quartier. Et encore, il est mes voisins. Vous avez le dossier? J'ai son dossier. Faites le voir, s'il vous plaît. Tout est complet? Tout est dedans. D'accord. Hein? Vous allez nous laisser étudier ce dossier. Nous ne vous promettons rien. Oui. Nous allons voir dans la mesure de nos possibilités ce qu'on peut faire. Directeur. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Merci beaucoup. Directeur. Vraiment. Bon, directeur. Déjà vous partez. Bien. Merci beaucoup. Oui. Merci. Comptez sur nous. Merci beaucoup, okay. Directeur. Au revoir. Merci. Go, c'est maintenant que tu arrives. Oui. Pardon. Il y a ton cousin là qui est passé ici. Il a laissé une lettre pour toi. Ça y est sur la table. Mon cousin. Ton cousin, oui. Il est passé ici, il a laissé une lettre pour toi. Regarde sur la table, là, c'est déposé là-bas. Qui est mort encore au village? Ça, me tue. Ouais, ouais, mais oui. J'ai eu travail. C'est quoi ça? J'ai eu travail. Comment tu travailles? J'ai eu travail. Ma galère est finie. Notre
galère est finie. Ma galère est finie. Attends. Tu sais, je vais te montrer qui j'étais avant. Depuis, ça vaut au moins 25 ans que je danse plus ça. Hey! James Brown. I got to go to pure way. Bing! Ah! Ta-da-da! Ta-da-da! Bing! I got to go. Je suis sauvé. Ne me mens pas. Ne me mens pas, on est sauvé. Vous-même, tu te fous de moi. 1000 francs pour le marché. C'est pas grave. Je vais faire avec. Avec ça, ça se dit expert comptable. Expert comptable. Ça, c'est un expert farceur, ouais. Qu'est-ce que je peux acheter même? Ça là, c'est les aubergines qu'on va manger. Aubergines, 100 francs. Poisson main. En tout cas, c'est poisson main. Poisson main, 100 francs. C'est 200. Pocon. Ah, c'est le moins cher ça. Pocon. 150. Là, ça va remplir la sauce. Et puis, riz, 1 kilo, non, 1 kilo ça ne va pas nous suffire, 2 kilos, 500 francs, 2 kilos, mais déjà ça fait 800, 850, je n'ai même pas encore acheté charbon, je n'ai pas acheté encore oignon, tout ça là, mais Go là va me tuer, hein. En fait, Go, tu es sûr que tu es expert comptable? Voilà, il va me montrer toutes les couleurs ici. Je vais faire avec, c'est pas grave. De toutes les façons, il ne mange pas ici. Même depuis hier, il n'est pas encore rentré. Tout ça là, c'est moi. Ça va rester sur moi. Bon, je m'en vais. Hé, Kariga, si Gowo arrive, je suis allé au marché. Hein. Allez, depuis là, je ne l'ai pas encore vu. Ma bagnole. Je vous écrase comme des mouches. Et alors? Bon. J'ai compris ce que je vous ai dit. Bon. Mangez les enfants. Ici là, c'est chez vous aussi, hein? Mangez. Voici de l'eau, hein? Après, buvez. Mangez bien. Vous avez honte de qui? Ici là c'est comme chez vous, hein? D'habitude je partais manger là-bas là. Aujourd'hui vous êtes venu chez moi, vous ne voulez pas manger. Mangez bien, n'ayez pas honte de tati, hein? Mangez. Prenez beaucoup. Voilà. Comme ça arrivé là-bas, vous allez dire à votre maman que vous allez manger chez tati, hein? Chez tonton Kou. Hein? Ah, mangez. Et puis buvez de l'eau. Oh, qui sont ces enfants? Ah! C'est mes enfants. Et qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais, mais ils ont venu manger. Comme aujourd'hui là, j'ai préparé un peu beaucoup. J'ai dit aux enfants de venir manger. C'est les enfants de vieux Sérigio. Moi, je ne suis pas censé les connaître.
Je suis pas censé. C'est Gong, tu l'as tu le connais. Non, je suis pas obligé de le connaître. Tu le connais. Bon, voilà. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, il faut canaliser tes chiots là. Je ne laisse plus jamais traîner par ici. Mais tu manques d'éducation, toi. Faut éduquer tes enfants. Bon sang, bon Dieu. Oui, tu ne le connais plus. C'est compris? Est-ce que c'est compris? C'est compris. Voilà. Tu ne le connais plus. Voilà, on fera ça comme ça, désormais. Mais toi, tu la fermes, tu la boucles pour de bon. Voilà. Tiens-moi ça. Dépose-moi ça là-bas, vite. Allez, tiens ça. Laissez-moi ça là. Mais quoi, où tu vas avec le plat? Voilà, tiens, dépose-moi ça là-bas, vite. Allez, allez. Exécution là, dépose ça là-bas. Ça veut dire quoi ça? Tu parles et puis tu me regardes. Oh, vous, allez, debout. Debout, dehors. Allez, allez, dehors. Oh, toi, va les déposer là-bas. Va vite. Et pas dans ma voiture. Tu les accompagnes à pied et puis tu reviens dans 2 secondes. Tu as compris? Ok. Tu me vois pas? Oh, excuse-moi. Oh. Excuse-moi, pardon. Yango. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te parler. Bon, parle vite là. Moi, je suis fatigué. Non, je ne comprends pas quelque chose. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Depuis que tu travailles là, hein, tu as changé. Et comment ça? Quand on travaille, on change. C'est tout à fait normal. Ah, toi aussi. Ah oui. Même au lit, même, tu me vois même plus. Oh, arrête. Je te sens plus dans la maison. Bon. Je ne te vois plus au lit, ça veut dire quoi? On dort, si on dort, on ne peut pas se voir. Non, mais c'est pas alors, comme ça. Quand comment? Même, je ne suis pas ton ami garçon, hein? Mais tu ne peux pas être un garçon. Hein? Bon, c'est pas comme ça on fait. Bon, attends, hein? Arrête pour toi là. C'est pas comme arrête, ça. Arrête, je dis d'arrêter pour toi là. Arrête ça. Ou bien tu veux continuer? Non, hein? Mais c'est pas normal ce que tu es en train normal? De faire là. C'est pas normal. Et quoi? Hein? À cause de toi, mais je tue moustique jusqu'au matin. Oh, mais... arrête ça là. Quand même, hein? Bon, faut pas me maltraiter comme ça, hein. Tu as compris? Oh, écoute, je dis ça va. Ou bien tu veux continuer? Mais tu veux continuer? Tout ça, toi, tu trouves que c'est normal. Hein? Ah, tu trouves pas que c'est normal, toi? Tu trouves que. Écoute, je c'est normal de dormir avec une femme sans. Sans je quoi? Je n'aime pas ça. Sans quoi? Vas-y. Sans quoi? Hein? Bon, moi, je vais me reposer, hein? Bon, donc tu étais comme ça. Oh, tu étais comme ça. De toutes les façons, là, quand ça va pourrir, là, on va sentir. Ça veut dire quoi ça? Coco, sédatif, tu dors. Hey, dis donc, toi tu as le temps, hein? Je suis arrivé. Hein? Je suis fatigué. Ah bon? Le week-end là, il faut bouger. Hein? Je suis fatigué. Prends la chaise là qui est là-bas. Mon Dieu, il est fatigué. Mon cher ami, c'est vrai? Les hommes d'affaires. On court derrière l'argent. Ouais, les hommes d'affaires. Hey, je ne suis pas homme d'affaires. C'est moi, je suis homme d'affaires. Ah, pourquoi? Ça, tu fais un travail libéral, non? Tu ne travailles pas chez quelqu'un. C'est nous qui allons faire des scraps. Nouvelle. Il n'y a rien de mal, mon cher. C'est un bonjour. Comme c'est dimanche là, je viens te dire bonjour. Ah bon? Mmh. Ça va? Ouais. Et ton patron, Go? Go où? Ça va? Oui, je sais que ça va, tout. Oui, ça va. Ouais, tellement tu l'as aidé, je sais qu'il t'arrange. Mon cher, le travail marche, mais vous, hein. Vraiment, je suis dépassé. Je suis étonné. Et je ne sais pas si vous pouvez devenir comme ça. Hein?
toi-même tu es au courant. Moi et toi, nous avons parlé. Je suis allé voir mon ancien directeur. Mon ancien directeur, tu le sais, mais il était tellement gentil. Un monsieur qui est très gentil avec moi. Il vient voir mes enfants à la maison et il fait tout. Mais mon Dieu, Gourou, oui, mon mais... Dieu, je ne peux même pas parler auprès de lui. Oh. Je suis devenu son ennemi numéro un dans le service. Jusqu'à même un jour, sa femme a donné manger, parce que nous sommes voisins, a donné manger à mes enfants. Mais Gourou a traité mes enfants, le chiot. Hein? Quoi? Mais je te dis, il dit que je n'ai qu'à me contrôler. Lui n'est pas là, c'est pas un pouponnière. Je ne sais pas, il a dit des phrases, vraiment, moi-même, je ne comprends même pas. Pouponnière. Pouponnière, voilà. Alors, donc, tu vois, je n'ai pas compris. Il dit, pourquoi mes enfants, ils ont venu manger chez lui? Gourou m'a dit ça à moi. Vous voyez ça? Je te dis, Gourou m'a dit que non, tu ne te proches pas bien, tu n'arranges pas tes barabula bien. Oh. Non, écoute, tu sais. Et puis, il m'a dit encore, il a dit une phrase que je n'ai pas oubliée. Il dit que je suis changé. Je suis ceci maintenant. Je suis changé. Alors, vraiment, j'en ai marre. Vraiment. Tu vois. Bon, écoute. Ce qu'il voulait te dire, tu m'as coupé la parole. Donne-moi un conseil, sinon je ne me contrôle plus. C'est ça que je vais te dire là. Tu es pressé pourquoi? Gourou. C'est la fatigue. Bon, il n'a jamais travaillé dans sa vie. C'est son premier travail. Donc, tu vois, il veut une certaine responsabilité, quoi. Hein? Tu vois, non? Il va changer. Il va changer. Toi-même, tu connais Gourou. On lui a tous rendu service ici. C'est moi-même qui ai dit à Gourou d'aller te voir pour avoir du travail. Mais oui, mais c'est pour cela que je viens te parler. Voilà. Donc, il faut le laisser comme ça. Tu sais, quand on n'a jamais commandé, et quand on te donne le pouvoir, tu abuses de ça. C'est ce qui fait que Gourou est un peu de zèle. Il est un peu zélé. Et c'est ce zèle-là. Mais quoi, ça fait rien. Si on se voit. Donc il monte le zèle sur moi. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. C'est comme ça, il est venu un peu commander, quoi, c'est tout. Mais il va changer. Ah, bon. Moi, si je le vois, je vais te donner des conseils. En tout cas, pour le moment, vraiment, ça ne va pas de tout. Il me traite du tout. Mais comment je suis plus âgé que lui? Lui, il est venu m'attrouver au service. Hein? Mais qui sait pas ça? Qui sait pas ça? Son comportement, ça ne m'appelait pas du tout. Et puis, il prend une fille. Hein? Mais il prend une fille, il dit, va déposer. Il ne faut pas que quelqu'un monte dans la voiture. Tu ne te payes pas bien, et puis il faut te brosser. Il faut cirer bien ton chaussure. Et puis, dans la voiture, il ne faut pas coucher là-dedans. Vamos a ver.